Le campus universitaire de Badalabougou a été récemment le théâtre d'un événement sportif et culturel d'envergure organisé par la Céline de la jeunesse Guinée-Dogon. Ce tournoi de football, intitulé « Le dialogue interculturel est-il essentiel à la paix au centre du Mali ?» a rassemblé divers acteurs de la communauté universitaire et au-delà, dans un esprit de fraternité et de dialogue. L'initiative de l'association Jeunesse Guinée-Dogon qui a invité les associations pour avoir la cohésion sociale pour qu'on puisse tirer le lien qui existe entre les inter-associations. Guinée-Dogon, celui de Badalabougou, les encourager vraiment dans leur travail qu'il est en train de mener pour la paix et pour la cohésion entre les ethnies du campus universitaire. L'initiative de la section de la jeunesse Guinée-Dogon a pour objet de promouvoir la paix à travers compréhension interculturelle et de souligner l'importance du dialogue dans la construction de la cohésion sociale. En particulier, dans une région marquée par des conflits ethniques et des tensions communautaires. Les jeunes aujourd'hui se réunissent pour parler de paix, de cohésion sociale à travers le sport. Et que cet événement soit parrainé par un des nôtres et qu'on compte aussi parmi nous un ancien président de la jeunesse Guinée-Dogon. Mais dans la main, nous pouvons toujours avancer. Et surtout, les matchs de ce genre, ça ne fait que nous renforcer, faire l'union entre nous et surtout quand on se retrouve pour parler de la fraternité. Après une série de matchs passionnants disputés, l'équipe de Séguéré a remporté le tournoi en battant Guinée-Dogon sous le score de 4-1. Les joueurs de Séguéré ont été célébrés non seulement pour leurs performances sportives, mais aussi pour leur esprit d'équipe d'exemplaire. On attaque beaucoup. En premièrement, on a vu que la défense était très faible. Bon, à chaque fois qu'on trouve le ballon, on rentre avec l'intention. Et puis on récupère le ballon, on met. On a été battu. Je crois que c'est un manque d'entraînement. C'est juste ça, sinon, ce n'est rien d'autre. Félicitations, vraiment, ils ont mérité. Ils ont bien joué. Voilà, c'est la famille. Le tournoi de football qui a été réuni, 4 équipes, a été plus qu'une simple compétition sportive, mais aussi une plateforme de rencontres et de dialogues, démontrant ainsi que le sport peut jouer un rôle crucial dans la promotion de la paix et de l'attente entre les communautés.